Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniax afin de participer à nos concours, de cliquer J'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniax! Bonjour à tous, de la lumière pour Cinéménax pour le vendredi 28 mai 2021. Euh, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi sur la chaîne YouTube de Cinéménax. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et ne pas oublier de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de nos épisodes qui sont affichés semaine le lundi, mercredi et vendredi. Chaque semaine, euh, j'ai arrêté de mettre les heures parce que ça me donnait trop de pression <laughs> pour l'instant. Mais le lundi, mercredi et vendredi, le plus tôt possible, mais trois fois par semaine. Le mercredi, entre autres, c'est des épisodes de, de Bon Matin Marvel. Lundi et vendredi, on s'acharne sur tout ce qui est le cinéma, l'animation, le streaming, euh, films de science-fiction, horreur, euh, dramatique, biographie, euh, drame musical, comédie, toutes ces choses-là. Et euh, autre chose, il ne faut pas que j'oublie en passant de vous euh, montrer que j'ai reçu ma belle petite casquette de YouTube, casquette officielle que je me suis commandée, afin de on est un petit peu plus professionnel que d'avoir des casquettes toutes maganées que j'ai depuis très longtemps. Ah! Euh, oh, on a également euh, des concours qui sont en ligne. On a des concours Funko Pop à chaque mois. On a également un concours pour, euh, dès qu'on atteint les premiers 1000 abonnés de la chaîne YouTube, pour un coffret Blu-ray en steelbook du film Iron Man de Marvel Studios. Et euh, comme euh, vous avez pu remarquer aussi, on va commencer à offrir des concours de temps en temps pour euh, des laissés passer ou des euh, premières de films. On en a eu un avec euh, euh, A Quiet Place Part 2, qui est en français ou en anglais, dépendant de votre choix. Euh, et il va en avoir d'autres à venir euh, très bientôt. Là-dessus, je vais commencer en vous, euh, vous invitant à euh, regarder ceci. Euh, pour moi, c'est un plaisir. Là, je vais vous <laughs> graffiner un peu. Euh, moi, ce que j'aime euh, depuis que je suis jeune, c'est mon plaisir coupable, c'est de Transformers. J'adore ça, j'ai grandi avec ça. J'ai appris mon anglais à, à, pour de vrai avec, euh, euh, en regardant les petits bonhommes le matin lorsque j'étais tout jeune. Euh, J'écoutais ça en français et en anglais, donc les mots faciles à apprendre. J'ai vraiment appris à devenir bilingue en regardant des bonhommes le matin, dont Transformers qui était euh, ma série animée préférée lorsque j'étais jeune. Mon premier Transformers lorsque je t'ai joué, c'est un, un Mirage, la Formule 1, euh, qui se transformait en robot espion euh, dans les dessins de Mii, il devenait invisible. Euh, en tout cas, je ne commencerai pas à faire un épisode juste sur Transformers, mais juste pour vous annoncer que il y a euh, maintenant un euh, offert sur Shout Factory sur le site web. Là, je ne sais pas si c'est Sold Out ou non, parce que j'ai vu que c'était Sold Out, ils n'ont peut-être. Euh, euh, libérer d'autres copies mais il va finalement avoir finalement, parce c'est quand même assez euh, régulier dans le, le, les sorties euh, il va avoir euh, sur Shout Factory, via Shout Factory euh, pour le 35e anniversaire du film animé qui était sorti 1986, euh, là où Optimus Prime meurt, et où est-ce qu'on avait on Asbro s'était débarrassé d'une génération de jouets euh, dans le film en les faisant mourir pour amener une nouvelle ligne de jouets avec All, Ultra Magnus, Blur, Cop. Uh, Wheelie, uh, les... Uh, en tout uh, je ne vais pas commencer à vous nommer tous les personnages, mais uh, je suis très, très pressé de Moi, j'ai le film en VHS, en DVD, en Blu-ray. J'ai la trame sonore sur cassette audio, sur CD. J'ai uh, vu ce film-là nombreuses fois. J'allais le louer, le relouer dans les clips vidéo. Euh, c'est un des de films. Euh, un, on peut le dire, un guilty pleasure. Puis tous les fans de Transformers euh, vont vous dire, franchement, c'est le meilleur film de Transformers qui existe depuis euh, sa sortie au cinéma. Euh, ça n'a pas été un gros succès au box office, mais c'est resté vraiment un film culte. Vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement de le voir. Là, le film va être disponible en 4K. Vous pouvez le commander sur Shot Factory. Présentement, il y a une édition spéciale qui vient avec un poster, une lithographie euh, exclusive qu'on voit sur, ici, dans le petit encadrement, avec Hot Rod qui devient euh, Rodimus Prime. Là, je m'excuse si c'est un spoiler, pour vous. Ça fait 35 ans que fait film est sorti. Tu sais, un moment donné, là. Euh, Fait que c'est ça. Alors, Transformers The Movie, 35e anniversaire, version 4K. Je suis bien hâte de voir ce que ça va donner à l'écran sur ma télé 4K à la maison. Je pense que les couleurs vont être incroyables, les batailles épiques et l'histoire spectaculaire. <laughs> au-delà du bien, au-delà du mal, au-delà de votre imagination la plus débridée de Transformers The Movie. Euh, ouais, j'ai revu mon enfance quand que je parle de ça. Donc, euh, puis je vais faire un moment donné, je, je vous le dis tout de suite. Là, je vais faire une vidéo qui euh, vous, je vais vous présenter un peu tout ce qui est. Je, lorsque j'étais jeune, malheureusement, je me suis brassé des jouets. Euh, mais je me rappelle très bien d'avoir eu énormément de jouets de Transformers. C'était la seule chose que je collectionnais lorsque j'étais jeune. Euh, mais j'ai gardé quand même tous mes euh, exemplaires de films. J'ai acheté les films en HD DVD, les films de Michael Bay. Bon, mauvais, peu importe, je les achète En DVD, en Blu-ray Et en 4K justement récemment Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai euh, Sur Transformers, puis je vous dirai en même temps Tout ce que j'ai eu auparavant, même si je l'ai plus avec moi physiquement Je vous en parlerai Puis je ferai des vidéos Une, une vidéo vraiment spéciale sur euh, L'univers de, de Transformers Malgré que ça fait quand même 15-20 ans que j'ai pu vraiment rien acheter sur le de Transformers autre que les films ou les, euh, les rééditions euh, DVD ou Blu-ray de, de tout ce qui est Transformers mais ce qui est jouet band dessinée ces choses là j'ai vraiment arrêté de consommer ça donc je suis peut-être un peu plus euh, euh, ignorant des dernières années de ce qu'il y a eu comme différentes séries animées euh, masco bon ça servait une vidéo de Transformers, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est juste vous annoncer que le 35e anniversaire de Transformers Movie est disponible en 4K via Shout Factory. Le lien sera dans la description ci-dessous. J'avais omis de vous dire aussi que les concours, tous les concours qui sont présentement disponibles via la chaîne YouTube de Cinemaniacs, vont également être dans la description ci-dessous. Comment participer, quoi faire, les liens, tout, est, tout va être là. Euh, la grosse nouvelle qu'il y a eu cette semaine, c'est bien sûr euh, l'achat d'Amazon qui, ben qui s'est euh, gâté en dépensant 8,45 milliards de dollars US. C'est beaucoup de bidou, mais pour Amazon, c'est ce qu'on appelle le, euh, un trimestre de chiffre d'affaires. Hein? C'est à peu près ça. Est-ce que je puis comprendre? <laughs> c'est pas grand-chose. Euh, ils ont acheté carrément la bibliothèque, le, la librairie, toutes les... Euh, les euh, propriétés intellectuelles qui appartenaient à metro Golden mayer vont, dorénavant, appartenir à Amazon dès que ça sera euh, authentifié par le gouvernement américain par rapport à les droits d'achat pour l'anti-monopolisation le, 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 des compagnies, parce qu'Amazon est quand même déjà très gros. Euh, eux, en gros, vont se servir de ça pour Amazon Prime Video. Ça va leur euh, gonfler leur, euh, leur bibliothèque, afin en fait d'offrir pour leurs abonnés euh, plus de 4000 films et 17000 euh, épisodes ou séries de euh, euh, télévision qui vont pouvoir garnir le, 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 la chaîne de Amazon Prime Video. Si vous voulez un peu une liste des titres qui sont connus, vraiment, qui sont sortis rapidement. Là. Il y a uh, 12 Angry Men, il y a Basic Instinct qui fait partie de ça. Creed et Rocky, bien sûr. Um, Legally Blonde, uh, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop. Silence of the Lambs, Stargate, Telma and Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair et euh, bien sûr la série, euh, la franchise de James Bond. Euh, en gros, euh, ça c'est pour le côté cinéma. Pour le côté télévision, on a l'adaptation qu'il y a eu en série de Fargo. Il y a The Handsman's Tale qui est très populaire présentement et euh, euh, ma conjointe va capoter aussi le Vikings qui euh, devient une propriété de Amazon. Euh, en gros, ce qu'on sait, c'est que c'est ce, toutes ces, ces choses-là vont amener du contenu directement ou rapidement sur Amazon Prime Video. Les films qu'ils vont produire à Amazon de avant, avec ces propriétés intellectuelles là vont servir en premier les salles de cinéma. On veut continuer à garnir les salles de cinéma, on veut faire plaisir aux cinéphiles et par après, on aura la chance d'être le distributeur exclusif en streaming sur Amazon Prime de ces films-là. On peut faire un reboot de l'univers de Rocky, si on veut. On peut faire des nouveaux films de James Bond euh, dans sa formation lorsqu'il était dans, euh, plus jeune. On peut amener euh, une nouvelle, de, nouvelles de, nou de nouveaux épisodes à Vi euh, Vikings? 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 Je sais plus qu'on disait, mais il y a, il y a le, 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 le potentiel de gonfler ça, d'amener beaucoup de nouveaux matériels avec les, ces propriétés intellectuelles déjà très connues de, du monde entier, euh, et écœurant. c'est un achat qui n'a pas été vraiment coûteux comparativement. Si vous comparez avec euh, les achats qu'il y a eu dans les dernières années, avec, euh, là, on parlait de euh, Warner Media, avec euh, Discovery, il y a eu aussi Disney qui s'était approprié, pourtant c'était 75 milliards. Euh, la bibliothèque de Fox euh, donc ça c'est du pocket change euh, pour Amazon euh, puis euh, en gros aussi c'est que ça amène le côté sérieux euh, et ça sera pas juste la série Lord of the Rings qui s'en vient, qui va garnir euh, la, le, le côté cinéphile de Amazon Prime Video mais tous les nouveaux produits qui vont euh, arriver là-dessus moi je pense qu'avec un bon budget euh, puis du monde compétent en arrière, on peut amener une nouvelle franchise de Robocop là-dedans ou un univers de... Euh, Delta City ou le, le OCP, une franchise là-dessus. Euh, en tout cas, paquet, paquet d'affaires. On, on pourrait faire un épisode juste, juste sur euh, les possibilités de développer des nouvelles séries télé ou des nouveaux films, des nouvelles franchises carrément euh, associées de près ou de loin dans les univers de ces titres-là qui, qui, qui appartenaient à MGM. Et qui appartiennent toujours à MGM. MGM c'est un peu comme Marvel Studios. Parce que Marvel était acheté par Disney, Marvel est resté une... Fili Bien, sa compagnie, les compagnies de Disney, euh, Disney a acheté Marvel, puis ont dit, vous avez tout simplement euh, euh, maintenant plus d'argent pour faire vos projets, mais vous êtes votre propre entité en tant que telle euh, et vous répondez à Disney, mais vous êtes Marvel Studios. Même chose pour MGM. MGM se retrouve maintenant avec un gros portefeuille pour pouvoir financer leurs projets qui devront être approuvés par les gens d'Amazon, mais en gros, c'est que ça amène beaucoup plus de potentiel de développer des, euh, des, des, des films, des séries de télé, du streaming, peu importe ces affaires-là. Euh, chez les gens de MGM, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. Puis pour les abonnés de Amazon Prime Vidéo, ben, ça va être du contenu de plus sans vraiment faire grand-chose à part le fait qu'on continue à payer notre abonnement euh, pour recevoir nos produits gratuits à la maison euh, et de profiter de toutes les affaires comme Amazon Music, Amazon Prime, puis un paquet d'autres affaires. Bien sûr, il y en a qui vont dire que c'est un mégapole, ça contrôle beaucoup d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez Partez votre propre compagnie et essayez de faire une compétition avec les autres. C'est pas mal la seule affaire, je peux vous convaincre, euh, d'essayer de, de faire. <laughs> Après, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Autre, um, autre euh, chose que j'aimerais vous parler Oui, Jungle Cruise, une nouvelle annonce qui est sortie. Euh, de, il y a plus quelques heures avec euh, Dwayne the Rock Johnson et Emily Blunt qui est basé sur le parc thématique Jungle Cruise dans euh, les euh, parcs de Disney World Walt Disney euh, où est-ce qu'en gros vous vous êtes sur un bateau et vous naviguez à travers une rivière qui est euh, bien sûr euh, euh, décorée d'éléments qui euh, vous amène dans une, cro une petite croisière dans la jungle euh, le, le, le bande-annonce, en gros, ce que je peux voir, c'est que ça me donne un feeling, un peu un mélange entre euh, The Mummy avec euh, Bernan Fraser et un peu de Pirates des Caraïbes. C'est comme un mix là, des deux qu'on voit. Là. Il y a un, des personnages qui ressemblent un peu à comme les créatures de David Jones, et sont son, son, ses acolytes. Euh, puis en même temps, on dirait qu'il y a un genre d'humour, combat et visuel de, euh, de, de The Mummy. Donc, je ne sais pas pour vous si vous avez des grosses attentes. Le film va être disponible il faut que je regarde mes notes là, vite vite, le film de euh, Jungle Cruise va être disponible dans les cinémas et aussi sur Disney+, Plus avec un montant euh, supplémentaire euh, à part l'abonnement à partir du 30 juillet. Euh, donc c'est dans quelques semaines tout simplement, là. je ne sais pas quand est-ce que je vais voir cet épisode-là, mais pour moi d'ici là, c'est dans, dans quelques semaines, on pourra finalement voir Disney's Jungle Cruise au cinéma. C'est un film que je veux le voir au cinéma. Je veux vraiment le voir sur grand écran. Je pense que c'est une belle petite aventure. Puis euh, il y a des youtubeurs, je n'aimerais pas lesquels, mais ils ont mentionné comme quoi que peut-être que Disney n'avait pas beaucoup d'espoir dans ce film-là. C'est pour ça qu'il sortait en même temps sur Disney. Mais je pense que c'est un c'est le film qui est comme un pont entre les deux. Ce peut-être pas le méga, méga film qui va attirer un milliard de dollars au cinéma, mais c'est un film qui va peut-être attirer beaucoup de monde à soit s'abonner sur Disney ou euh, vouloir payer le supplément pour garder ça en famille à la maison. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Dwayne de Rock Johnson toujours un grand divertissement N.O. au cinéma. Le gars a été fait pour le grand écran. Fait que, je sais pas pour vous, je sais pas si vous allez aller le voir au cinéma, si vous allez le commander sur Disney+, si vous avez, vous, vous en foutez carrément. Euh, regardez, j moi je regarde pas tous les films de Walt Disney, le, présentement il y a euh, beaucoup de promotion qui se fait autour de Cruella, et euh, par rapport au 100 de j'ai aucun intérêt à ce film-là, aucun, aucun intérêt. Puis la, la chose que j'ai pu entendre, c'est que le film est meilleur que ce que, que le monde pensait que ça serait. Donc, euh, c'est peu dire. Euh, mais pour Jungle Cruise de Disney, ça j'ai très hâte de voir ça. Euh, autre projet qui. Euh, ben, J'ai pas mal passé presque tout. Le, le, le dernier sujet vraiment que je vais vous parler, c'est la nouvelle annonce qui est sortie pour le film de Chris Pratt qui va être sur Prime Video, justement, on parlait d'Amazon, à partir du 2 juillet, de Tomorrow War, qui euh, en gros est une histoire qui. Euh, c'est des extraterrestres, il y a des explosions, il y a Chris Pratt qui, était, qui devient le gardien du monde. Euh, en gros, c'est 30 ans plus tard, il y a des gens qui sont responsables de venir dans le passé, dans notre présent à nous, et de venir nous recruter de force, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Tout le monde meurt dans 30 ans face à une guerre contre une invasion extraterrestre et on commence à manquer de soldats, donc ils viennent recruter dans le présent. Bien, pour eux, c'est 30 ans dans le passé, pour nous amener dans le futur afin d'aider les humains du futur à combattre cette invasion-là et à aider la race humaine à survivre. Euh, ça, c'est ça, j'en ai parlé déjà même sur une autre euh, vidéo. Ça, c'est mon genre, ça, c'est mes ingrédients. C'est comme mon euh, invasion extraterrestre, voyage temporel, Chris Pratt avec son humour. Si vous voyez la bande annonce, il y a un petit peu d'humour là-dedans, même en exemple est... non le futur, il n'y a pas d'humour. Anyway. Euh, J'ai arrêté de préférer voir ça au cinéma, mais sur Amazon Prime, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas une scène à dépenser pour voir <laughs> ce film-là. Fait que je vais fêter le 2 juillet, moi c'est sûr le 2 juillet. Je regarde ça. En plus, je vais être en vacances euh, euh, de mon travail chez Piero Later. Donc euh, le. En matinée, je vais me faire une belle matinée avec du popcorn, des œufs et du bacon. <laughs> et puis je vais me taper de Tomorrow War. Euh, puisque Anyway, ça, c'est pas vraiment euh, le gros dada de ma conjointe, les sensations comme ça. Elle est plus horror, plus euh, gore. Pis, euh, je pense que ça plus vraiment le style G.I. Joe euh, euh, Time Warp, uh, Space Invasion. Là. Euh, ouais, ça me, ça me donne un look un peu de Independence Day euh, de Edge of Tomorrow, là, ce qui s'appelait aussi Live Die Repeat là, avec Tom Cruise. Euh, J'ai ce sentiment-là. Puis euh, Chris Pratt, qu'on aime, qu'on aime pas. Il y a des petits côtés. Euh, parole un petit peu controversée. Il faut vraiment trouver, d'après le bobo dans ce gars-là. Le gars est reconnu pour être un, 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 un farouche croyant euh, catholique et euh, pas la langue dans sa poche, mais en même temps, il n'est pas méchant. Je pense pas que euh, le gars a des mauvaises idées, c'est juste qu'il croit en, euh, en ses, ben, il a ses croyances en lui qu'il pense très fort. Puis, je pense que ça, ça touche un peu le côté euh, des autres. Euh, 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 d'autres personnes qui, qui, qui ont d'autres vocations religieuses, euh, euh, en tout cas, d'autres, vous comprenez pas ce que je suis là-dedans. c'est tellement pas mon naturel de parler de religion là-dedans. Et anyway, non, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il ce qu y en a qui disaient le film a été sorti du cinéma et a été mis juste en streaming parce que, à cause de Chris Pratt, des de vous dire qu'il y a eu sur Twitter par rapport à la religion, blablabla. Je m'en fous de ça. Je ne pas essayer de parler de ça. Je ne pas en parler. Ce que je veux vous dire, c'est que le 2 juillet de Tomorrow War, moi, je vais le regarder. Vous, allez-vous le regarder? J'espère que oui, parce que euh, des films comme ça, c'est toujours le fun d'avoir ça. En tout cas, mon côté, c'est du gaga, c'est du bonbon, c'est comme le, le dessert là, pour euh, profiter des vacances là maintenant. Puisque et nous, encore, on ne peut pas faire grand-chose à cause de la pandémie. Fait que garde. Fait euh, que c'est ça. En gros, je vous ai parlé aujourd'hui euh, le 35e anniversaire de, de Transformers The Movie qui va être disponible en 4K. Vous allez sur Chart euh, Factory pour pouvoir vous procurer euh, un exemplaire. Pas ah bien sûr que ça va être dans les magasins aussi, peut-être sur Amazon euh, euh, par après. Mais là, présentement, les précommandes sont déjà euh, prêtes, puis ça va sortir euh, en mois d'août. Euh, moi, moi, juste pour vous dire, là, euh, comment ça coûte en passant de Transformers, de Movie, euh, 4K, les le transfert US en Canadien, les taxes, frais de livraison, ça me revient à exactement 50 et 6 sous canadiens. Peut-être un peu cher. Je peux pas m'empêcher. J'aurais payé 100$, je l'aurais acheté. Euh, C'est sauf que Transformers, il y avait Amazon, bien sûr, les grosses nouvelles de la semaine. Amazon qui s'est acheté une bibliothèque de films, de séries télé avec MGM pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bidou. Euh, il y a Jungle Cruise qui est sorti avec, euh, la est avec le la affiche. Et euh, The Tomorrow War qui s'en vient le 2 juillet sur Prime Video. Là-dessus, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs, de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de tous nos épisodes, trois fois par semaine, sur la chaîne YouTube de Simenex. Et oui, on va commencer très bientôt, c'est peut-être un genre de compétiteur, peu importe, je ne sais pas comment vous voyez ça, on va commencer bientôt à nourrir la chaîne, la plateforme, je ne sais pas comment on appelle ça, mais Twitch. Non, je ne jouerai pas dans des jeux vidéo euh, tout nu dans un sub, euh, pas dans un sub, mais dans un, dans un gazebo. c'est pas mon dada, ça. mon but, c'est de pouvoir peut-être profiter un peu... De l'auditoire qui aime les directs, les live feeds, les streamings euh, via Twitch. Et euh, mon plan là-dessus, et je vous, vous officialiserai ça très bientôt, mais j'aimerais produire un genre de show à la Cinequiz. Ceux qui ont mon âge savent c'est quoi, euh, sur CFTM10 ou TVA, c'était pas TVA dans ce temps-là, mais CFTM10, euh, un poste de Montréal euh, au Canada, euh, lorsque j'étais jeune, on regardait un film d'environ envi, euh, deux heures, une heure et demie là, qui, qui passait à la télévision et à, après, euh, à part après, il y avait une personne qui euh, appelait les gens qui voulaient participer au téléphone, bien sûr dans ce temps-là, et euh, posait des questions et euh, les gens répondaient, mais c'était tout le temps des questions liées directement au film qu'ils venaient de voir. Donc, mon but, c'est de faire ça avec Twitch. C'est de réaliser des euh, shows qui euh, seront liés, mettons, avec les films qui viennent de sortir, amener des, euh, un quiz là-dessus et vous faire gagner des prix. On verra bien si ça marche. Je vais va voir si ça fonctionne, s'il y a de l'intérêt. Euh, moi, mon point central, ça reste la chaîne YouTube de cinemax, Mais le côté Twitch, m'intéresse pour le côté gameplay, faire un genre de, de, de quiz-show. De Cinemaniacs pour le monde qui aime tripper, puis peut-être gagner des bons prix. Puis plus on aura du monde, c'est comme tout le reste le site web, la chaîne YouTube. Plus on grossit, plus ça va attirer l'attention des distributeurs ou des compagnies de communication. Puis on peut aller leur chercher. Les prix, puis vous les redonnez à vous après. Donc, on verra bien euh, comment ça va fonctionner. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne fin de semaine. Euh, à très bientôt. Il euh, y a aussi une critique qui s'en vient pour Quiet Place Partout. Ma fille, mère jeanne a eu la chance d'aller voir en visionnement de presse. Donc, on parler de ça très, très bientôt. Merci. Bye bye.